Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo, mais une vidéo qui j'espère va beaucoup t'aider. Certains footballeurs se demandent à quel poste ils doivent jouer. À certains postes ils sont plus heureux, à d'autres ils sont moins heureux, mais à certains postes ils sont plus efficaces que d'autres. Quand vous étiez petit, on vous a sûrement mis à ce poste parce que le coach voulait vous mettre à ce poste, vous aimiez ce poste, ou sinon on vous a mis à ce poste pour pouvoir boucher des trous car l'équipe était déjà complète à certains postes. On a pu vous mettre à un poste que vous aimez, mais vous n'étiez pas bon. Ou on a pu vous mettre à un poste que vous n'aimiez pas, mais vous étiez très bon. Maintenant, tout est une question de choix. Soit vous essayez de vous faire remarquer à un poste où vous êtes fort pour au final être footballeur, ou soit vous restez à un poste que vous aimez, mais vous avez moins de chances de devenir footballeur car vous n'êtes pas très bon à ce poste. Donc on a deux choix. Soit vous restez au poste où vous êtes bon mais que vous n'aimez pas trop et vous essayez de mettre le maximum de chances pour percer à ce poste, soit vous jouez au poste que vous aimez, que vous kiffez, vous donnez tout. À partir de là, vous devrez vous entraîner comme un dingue. Pourquoi le coach devrait prendre un joueur juste parce qu'il aime ce poste? Non, il a besoin de personnes efficaces. S'il y a un joueur qui est meilleur que vous, il prendra le joueur qui est plus efficace que vous. C'est logique, non? Donc, à partir de là, lorsque vous faites ce choix de jouer au poste que vous kiffez, mais vous n'y êtes pas très bon, il va falloir assumer, les porter et s'entraîner comme un chien. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Vous allez voir votre coach, vous lui dites que vous voulez jouer à ce poste car vous l'aimez plus que le poste où vous jouez. Maintenant, en général, il devrait y avoir un joueur titulaire au poste que vous aimez. Sinon, vous serez déjà titulaire au poste que vous aimez. Il va vous dire ce que vous devrez faire. Peut-être que vous commencerez en équipe B, peut-être que vous commencerez sur le banc, peut-être que vous vous entraînerez avec l'équipe mais que vous ne jouerez pas le dimanche. À partir de là, il faudra assumer votre choix et vous entraîner comme un chien. Maintenant, ce sera à vous d'être meilleur que votre concurrence. C'est tout. Et s'il ne veut pas, malheureusement, vous devrez rester au poste auquel vous jouez. Voilà, je t'ai donné mon conseil pour bien choisir ton poste. J'espère que tu feras le bon choix. Maintenant, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est de prendre un maximum de plaisir, peu importe le poste auquel tu joues sur le terrain, tant que tu es titulaire et que tu touches le ballon, c'est le principal.